Lorsque je venais ici, mon petit, là, il était sorcier. Nous sommes venus, vous avez prié pour lui, il a été délivré. Je lui ai dit merci à Dieu et vous dis merci à vous, papa prophète. Est-ce qu'on peut l'entendre lui-même, le petit? Oui, oui. Dis bonjour, papa. Bonjour, papa prophète. Bonjour. Ton témoignage. Je dis merci à Dieu de m'avoir délivré de la sorcellerie. Donc je dis merci comment? À Dieu et puis je dis merci à papa prophète. Et son grand frère lui a donné des pouvoirs. Son maître sorcier. Ouais, son maître. Le plus grand frère, il est un maître sorcier. Son patron. Son patron sorcier. Lui a donné des pouvoirs. Initiateur. Quel genre de pouvoir? Pouvoir de chat. Pouvoir de dragon. Pouvoir de serpent. Pouvoir de serpent. Le pouvoir. Et puis pouvoir de Maguya. Maguya a fait quoi? Maguya a fait quoi? Pouvoir de Maguya. Quand je m'en vais au dehors, c'est que il dit le pouvoir de Maguya lui permet d'écouter ce que les gens disent quand il va au dehors. Les musulmans disent ça fou là. Donc quand il devient Maguya, il va au dehors et il fait ce comme il s'arrête. Les gens pensent que c'est Maguya qui est là. Donc il écoute tout ce que les gens disent. C'est un espion. Ça veut dire que la semaine là, c'est foutu les Maguya. Où là? Où les Maguya? Où il a foutu cette semaine? On l'a tué. Les gens vont vous tuer, ils vont vous comprendre. Si tu bats ça, quel est le bébé? Tu rouges là. Quand il dit ce qui est bon, il dit pendant que les gens parlent, quand il dit les paroles qui sont bonnes, les paroles peut-être de projet, il remue sa tête sous forme de Maguya. Okay. Nous, on apprend beaucoup de choses dans vos avis. Hein? Mm-hmm. Et après? Et puis après, le pouvoir de l'homme invisible, c'est pour empoisonner. Il dit le pouvoir de l'homme invisible, c'est pour empoisonner les gens. Le pouvoir des chats lui permet de créer des accidents. Maintenant, mon dragon, il boit sang. Maintenant, le pouvoir du dragon, c'est pour boire le sang. Le petit là, il est sérieux, il est sincère. Mm-hmm. Il est très sincère. Mm-hmm. Tu as tué combien de personnes au total? Chez nous, il y a tué 1000 personnes. Il dit 1000 personnes. À ton âge, hein? 1000 personnes? Là-bas, tu n'as pas peur? Il dit là-bas, il a 30 ans en sorcellerie. Elle dit sa maman, il a gâté la vie de sa maman. Sa maman est maîtresse, elle est enseignante. Mmh. Qu'est-ce que tu as gâté? Il a gâté son argent et son enfantement. Il dit qu'il a gâté l'argent de sa maman et son enfantement. Et puis, comment tu as gâté l'argent? Il a mis trou dans sa main quand son argent vient, ça va donner un canari. Il dit qu'il a mis des trous dans la main de sa mère, donc quand elle a l'argent, ça va directement dans leur monde, la société, dans leur canari mystique. Parce que comment il a gâté les finances à maman. Et comment tu as gâté son enfantement? C'est quand il a couché, elle a mis une bouche dans son ventre. Il dit qu'il couche en sorcellerie avec sa maman. Donc quand il a en couché avec elle, il a introduit une boule dans son ventre. Parce que comment il a gâté l'enfantement à sa maman. Je commande au démon, l'esprit de la sorcellerie. Le Saint-Esprit te vocalise maintenant. Maintenant, je commande au démon de la sorcellerie de partir. Allez, fais chou. Allez, comment? Fais. La puissance de Dieu. Je commande aux esprits de la sorcellerie de te libérer. Libérez-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus te libère. 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 Merci pour sa délivrance. Il est libéré. Terminé. Amen. Voilà. Nous poursuivons le programme demain à 13h. Demain, 13h. Demain, le programme sera à 13h. Très bien. Comment tu sais que tu es délivré? Tu m'as délivré, il y a vu le pouvoir de dragon à sortir moi. Ok. Maintenant, tu te sens
te sens bien? Oui, papa. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Ok, il est parti dans la sorcellerie. Hein? Oui, papa. Ok, soyez béni. Il faut étudier, il faut être meilleur de ta promotion. T'as compris? Voilà, il faut étudier, il faut respecter maman, il faut respecter les parents, il faut aller à l'école. Tu as compris? Quand je serai là en Côte d'Ivoire, tu vas venir, on va se connaître mieux. Hein? Oui, papa. Allez, si tu veux aller à l'école, Dieu bénisse. Papa prophète. Bonjour. Je veux rendre gloire à Dieu. Quand je venais ici, il y avait 3 enfants. Et tous sont sorciers. Vraiment, c'était pas facile. En venant même, je ne peux pas marcher. Je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas manger. Grâce à Dieu, grâce à vous, aujourd'hui, je suis débrassée de ça. Ils m'ont défait déposer, donc je rends gloire à Dieu. Je vous remercie beaucoup. Et ils m'ont défait déposer. Amen. Salut, papa. Fou. Bonjour, papa. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Hein? Je me sens bien, papa. Tu avais quoi? Quand je venais ici, j'avais maladie de la sorcellerie. Quand j'ai vu qu'il m'a délivré, j'ai dit merci papa pour papa, j'ai dit merci Dieu. Tu as délivré, c'est ça? Oui, papa. Il faut aller à l'école, tu as compris? D'accord, papa. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Nous délivrons des gens. Ça veut dire toutes sortes de formes de sorcellerie. Et encore les enfants. Quand quelqu'un est sorcier, qu'il s'assoit un enfant, une grande personne, mais elle est victime de maltraitance, vous le savez très bien. Peu importe, mais quand un enfant dit dans sa bouche et qu'il pratique la sorcellerie, d'emblée la famille décide, ou ceux qui sont hostiles à la sorcellerie, c'est vrai, la sorcellerie c'est pas quelque chose qu'on aime le plus, mais on cherche à détruire cette personne. Donc, dans les familles, souvent, on brûle la main de l'enfant, souvent, on détruit l'enfant et tout ça. Alors, donc, souvent, nos aveux sont filmés. Ça ne veut pas dire que nous avons, c'est une exploitation d'image des enfants. Non, nous faisons ça pour amener les gens à comprendre que même si un enfant est sorcier, s'il vous plaît, ce n'est pas la peine de le tuer, de le torturer. Vous pouvez l'envoyer dans un centre de prière. Voici la raison pour laquelle, par moment, nous filmons. Sinon, la plupart du temps, les enfants qu'on délivre, il y a beaucoup qui se font généralement loin des caméras. Beaucoup sont ceux qui se font loin des caméras et c'est tout le temps le fait. Alors, nous disons aux gens, parce que le filmer ne veut pas dire que c'est une exploitation d'image. Non, nous, c'est justement lancer un message très fort pour dire aux gens qu'on peut être enfant sorcier, on peut être vieillard sorcier et puis être délivré et nous avons un sang de prière au lieu de tuer l'enfant. Au lieu de maltraiter un enfant, vous pouvez l'envoyer à Divo pour le faire délivrer. Heureusement que nous avons un centre de prière à Divo qui peut aujourd'hui aider les parents, des familles à sortir de la sorcellerie. Donc le témoignage aujourd'hui prouve aujourd'hui qu'on peut être délivré.